Troisième essai. Je sais pas ce qui se passe avec la connexion internet, mais c'est très compliqué ce soir. C'est peut-être le mauvais temps. C'est très décourageant pour jouer. J'espère vraiment que ça va arrêter de couper, sinon on streamera ça un autre jour. Les jardins supérieurs. Non, ça fait rien. Rien du tout. Ah, peu importe. Donc maintenant que j'ai ce pouvoir à la con, je vais pouvoir faire tourner ça. Comme ça. Très bien. Alors, voyons voir. C'est bon, ça le répare. Non, toujours pas. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, là ça marche. Du coup, non, toujours pas. Bon. Et ben, on va retourner en arrière alors. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. J'ai glissé. Ça devient vraiment stupide, cette histoire. Et très vexant. Non, c'est pas ça. Faut péter la gueule à des mecs. Quand tu veux la caméra pour me suivre. Raoul Coutard, là, il est pas sur le coup. Oh là 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 là, ça me rappelle le 2, ça. Oh, une énigme. J'adore les énigmes. Je ne vis que pour ça. Alors, voyons voir. Un vieux grimoire. Entrailles du journal. Une commande des dieux, ce sera ma plus grande œuvre. Un cube, quoi. Si je parviens à protéger ce qui est le plus cher, Zeus s'est engagé à me rendre ce que j'ai le plus cher. Mon fils, Icare. Dédale, Jourin. Bah, Icare, j'ai tué dans le 2. Donc, du coup. Voyons voir. Pour la préparer, mettez-vous derrière elle et maintenir. Lâchez pour tirer. Voyons voir. Rien du tout. Très bien. Faites pivoter la catapulte. Ça pivote de que dalle, cette merde. Ah oui, comme ça. D'accord, très bien. Je sais pas à quoi ça sert, mais. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Je savais précisément que ça allait faire ça. Parce que je suis un génie. Exactement ce que j'avais prévu. Tout à fait. Sans aucun problème. Ah, bordel de putain.
Non, il faut que je passe par là. Pour aller où? Je l'ignore. Pour descendre? Vraiment. Ah, intéressant. Intéressant. Pourquoi je peux pas? Bon. Peut-être. Ah ah! Et voilà, ça voilà bien feinté. Juste en faisant le tour. Ouais. Ça étant dit, ça m'avance pas beaucoup. Super, une corde. Après, on va encore m'appeler de cocu. Alors. Comment faire? Comment faire? Voyons voir. Peut-être qu'on pousse. Elle. Ah oui, mais là t'es pas bien centré, Kratos. Forcément, ça peut pas marcher là. Tu as bien fait un truc qui déconne. Ah oui, non. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ah! Un mécanisme. Ah bah voilà. Là, d'accord, là on crée quelque chose, là on crée de la mise en scène. Un spectateur nous a rejoint, peut-être commentera-t-il cette soirée, ou peut-être pas. Voilà, ça le tape, et du coup ça fait ça. Très bien. Et si je le refais encore une fois, normalement, logiquement, ça devrait aller dans le tableau, comme ça. Et voilà le travail. Ah, ça va prendre du temps. Heureusement que j'ai fait la muscu. La compète, ça me fait pas peur. Vous savez qu'à l'âge de 89 ans, je joue encore au tennis. Un cigare par jour, une partie de tennis par jour. Voilà, plus trop parce que ma hanche, elle me fait un peu souffrir l'été, l'hiver et le printemps, l'automne, mais... Vite, vite, vite. Vite, Kratos. Pousse-toi le cul. Vite, 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 vite. Mais non, pas ça. Ah, bordel de pute. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour aller plus vite? J'étais presque. Hein. Peut-être que si je me concentre un peu. Yes. Voilà. La rapidité sur les godards. Sur vos yeux ébahis. Sur vos yeux époustouflés. Ça, déjà, une plume, très bien, je vais me la foutre dans le cul, ça ira très bien que la corne. Et ce sera un œil, je suppose. C'est-à-dire que j'ai toujours pas amélioré ma vie. Plante des dalles, un objet de valeur appartenant à des dalles, finir le jeu pour utiliser cet objet. Super. Oh, putain. Ah, il y a des jours, je vais ma vie. Hein. J'ai l'impression d'être un pompier.
Super, une autre corne. Putain, je veux des yeux de gorgone, bande de fils de pute. J'ai la vie au minimum depuis le début alors que je suis à la moitié du jeu, ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Alors, on continue, on avance. Cette statue est beaucoup trop grande. On se demande qui a pu la construire. Oh putain, je crois que c'est là où il faut gérer avec le temps, les dimensions, je sais plus quoi, une connerie comme ça. Avec les perspectives, avec des trucs à la MC Escher. Oh putain, ça va être chiant. Là pour le coup, c'est un vrai putain de labyrinthe. Hein. Oh bordel de putain, t'arrache. Je me souviens plus comment on passe. Eh ben, on va se prendre la tête. Allez, c'est reparti. Casse les couilles. Ouais, bah, on s'en fout. Qui ressemble très bien à l'agresseur. Ah, Hera. On peut peut-être tuer Hera. C'est toujours ça. Toujours ça le prix. Ça fait penser à ces chansons, vous savez. Hera, Hera. Je ne sais quoi. Hera, Hera. Mon stupide mari a eu pitié. Elle joue très très mal, la dame. Vous savez, vous voyez comme elle se courbe là? Ah, c'est une vraie scène de drame. Hein. On se croit dans un Philippe Garrel, c'est impressionnant. Tout meurt et c'est à cause de toi. Il n'y a plus de soleil. Les océans ont avalé la terre. La maladie infecte le peu qui a survécu. Eh ben bon débarras. Ça explique pas comment tout tant de gens ont pu survivre dans God of War 4. Hein. Je comprends toujours pas la logique. Ça attaque que la Grèce. C'est un microclimat. Du coup, c'est pas une vraie fin du monde. Il y a des dieux par pays. Je comprends pas. Tu crois que ce jardin n'est pas protégé? Oh si. Ta brutalité l'a peut-être emporté sur Hercule. Hercule, c'était facile. Mais ton esprit limité ne trouvera jamais le chemin de la sortie. Je pense que si. Je suis impatiente de te voir mourir ici. C'est un labyrinthe philosophique qui nous attend. Le risque professionnel, pourrait-on dire, pour un philosophe, c'est de se perdre soi-même. Toujours. La première étape, ça va être de tuer tout le monde, évidemment. Beaucoup de caisses à ouvrir. Beaucoup de sous-sous. Beaucoup de pesetas. Il n'y avait pas un humain ici. Ah, j'ai dû le tuer sans faire exprès. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, ma petite? Je peux te sauver si tu veux. Voilà, je t'ai philosophiquement sauvé. Allez, un œil de gorgogne, on y croit cette fois. Ah, putain! Mais je suis maudit ou quoi? Moi, je vous parle d'augmenter ma vie, vous me donnez que des plumes à la con et des cornes de Minotaure. Vous êtes des cons. Ah, pas besoin de se regarder. Ah, oui. Dirait une poule devant une cuillère. C'est la première, la dernière fois que je dirige Vin Diesel. Ok, t'as gagné une coupe. Super. Un épisode de valeur appartenant à finir le jeu pour utiliser cet objet. Oh bordel. On va augmenter la puissance de ses gants. Ouais, on s'en fout, allez. Tout ce fric, je vais pas l'emporter au paradis, de toute façon. C'est la porte dépensée. Eh ben voilà, c'est au maximum. Mais j'ai encore 11 000 balles. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quelque chose. Dégâts augmentés par les têtes des virus.
Et ben, ce sera déjà bien. Bon, il y a des becs partout, hein, c'est logique, hein, c'est... sinon il n'y aurait pas de challenge, évidemment. Par là. Là, je sais que c'est un labyrinthe en trois dimensions. Ah. Eh ben, je suis bloqué, dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. Pas si résistant. Ah, encore des petites tâches. Là, il y a un truc secret. Il y a intérêt que ce soit un œil de gorgone parce que j'en ai plein le cul. Ah, enfin. Ah, il m'en faut encore un. Bordel de merde. Je croyais que j'en avais deux. Non, pas par là. Très bien. Alors. Ok. Un crâne avec les gravés dans le sol. Ceux qui possèdent la pierre d'Hyperion peuvent accéder au véritable chemin des dieux. Regardez dans la pierre, vous découvrez la vérité. La pierre, c'est ce putain d'œil. Ah. Et il y a de cette pierre dans la coupe. Ok. Oui, c'est ça, voilà. Donc, voilà. Exactement. Exactement. Alors, il faut que j'arrive à passer. Ah, mais comment je fais? Par là. D'accord. Voilà. Et là, ça monte. Voilà. On peut tricher avec les perspectives. Oui, d'accord. Peut-être par là. Faut les achever, ils souffrent trop sinon. C'est de la clémence. C'est de la miséricorde. Ah, vous avez vu ce que j'ai vu? Moi je l'ai vu. Obligé, obligé, si c'est un œil. Évidemment que c'est une putain de corne, nom de dieu de bordel de putain de bordel de putain. Que des cornes et des plumes. Ah vas-y, vas-y, monte là ta barre jaune de merde, là qui me sert à rien. Ça se déplace, non? Non? J'aurais cru. Pourtant. Non. Effectivement. Donc. Bon, ça ne donne rien. Là, c'est Hera qui allait se faire foutre. Bon, là, ça ne donne rien plus. Ah, mais ça, c'est déplaçable. Très intéressant. Et si je le déplace à un endroit qui a du sens, ça devrait m'ouvrir la suite. Je peux pas le couper cette merde.
Hera, tu peux m'aider? Non? Eh ben, va te faire enculer. Comment je peux... Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais alors quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Aha! Je peux faire ça. Et ça active ça. Ok, il y a un pont. Donc je peux revenir là. Ah bah oui, mais attends, 2 secondes. T'es gentil, toi, mais... Que je le mette bien là. Voilà. Oui, je sais. Voilà, tout à fait. Logiquement. Ah, bordel de... C'est moi qui suis pas assez rapide ou quoi? Je dois faire quelque chose. Oui, je dois faire quelque chose. C'est ça. C'est ça. C'est avec l'eau. C'est avec la putain d'eau. C'est bon, j'ai pigé. Voilà, tu fais couler l'eau. Du coup, le mécanisme reste en bas. Et du coup, je peux passer. Je suis un génie. Vous savez, dans Godard, il y a Gold, il y a Art. Vous saviez ça? Coucou. Oses-tu nous défier? Parce qu'il est trop têtu pour crever. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? On n'en a pas fini, toi et moi. Mais bute-la. Tiens, je vais manger une châtaigne. Ça me fera du bien. Que m'as-tu donc fait? Bah, il t'a jeté par terre, c'est tout. Lâche. Tu détruis tout ce que tu touches. Je sais. Bonne chance avec cette traînée que tu appelles Pandore. Oh. Voilà, c'est ce que je veux. Ainsi se termine la vie de la femme la plus cocue de toute la mythologie grecque. Je comprends pas ce que la Bandera provoque sur le monde. Je dirais pas que ça a changé grand-chose. Ah bah très bien. Maintenant on peut cramer des trucs. Attends, toi tu vas me servir quelque chose. Tu vas me servir de ton cadavre. Voilà. Tout à fait. Comme ça, je peux passer. Qu'est-ce que ça active? Je vois. Mais alors, il faut que... Eh oui, il faut que je sois en dessous. Ah. Alors, réfléchissons. Ça, on peut pas le bouger. Ça c'est clair. Mais l'escalier, lui on peut. Donc si je prends l'escalier qui était là, et que cette fois je le mets dans ce sens-là,
Logiquement, ça va faire tomber l'eau dans cette coupe, ce qui va baisser le mécanisme. Si tu es là, tout le monde tue. Voilà, donc ça bloque le pont. C'est très bien. J'ai vu, j'ai vu. Donc maintenant, je reprends encore une fois ça. C'est très utile ce truc, décidément. Ouais, c'est pas très utile. On va aller voir comme ça. Voilà, on peut glisser. Et on fait couler l'eau. Et on fait couler l'eau. Je sais pas. On doit bien faire couler l'eau quelque part pourtant. Ah ah! Bon, mais alors attendez. Attendez, attendez. Non, pas comme ça. Peut-être pas comme ça. Mais si je le fais tourner comme ça. Ah ah! Et là, ça colle. Vous voyez, là ça colle. Là, hop. Mais là ça fait quoi? Ça déclenche ça. Ça m'ouvre le passage. Sauf que je peux pas rester là. Donc il faut que je reprenne le cadavre des rats. Que je l'amène. Je le pose ici. Ok. Ensuite. Ça m'ouvre ça. Ça m'ouvre ça. Ouais, mais après, comment je passe? Ça, c'est mon... Comme ça? Non. Les effets se sont dissipés. Où est passé? Hein? Est-ce que je suis bloqué? Que j'ai encore fait. Si l'effet s'est arrêté, c'est que logiquement j'en avais plus besoin. Et pourtant ça marche pas. Il va y avoir autre chose, un autre mécanisme. Comment je peux réactiver la pierre? Comment je peux réactiver le pouvoir? Très bien. Ah oui, c'est limité vu que j'avais posé le cadavre des rats, oui. Logique. Ah, mais je sais. Maintenant, je peux passer par là. Et logiquement, le passage est ouvert. Ah bah non.
Non, j'ai plus ouvert du tout là, j'ai. Évidemment, j'ai plus ouvert du tout. Je peux même pas sauter. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Laisse-moi moi sauter, qu'est-ce que ça peut te foutre? Ah, bah si, le corps des rails là. Le corps des rails là. Mais je peux plus le porter. Faut juste que je sois très rapide, quoi. Oui, alors oui, c'est forcément autre chose. Oui, d'accord. Ça, j'ai bien compris que c'était autre chose. Deux personnes nous regardent ce soir. Incroyable. Record du monde. Peut-être qu'il faut que je remette le corps de l'Hera au centre du cercle. Et que ainsi, le mécanisme. Voilà, on restera en mode tout ouvert, là, machin. Mais non, il veut pas. Il veut pas, Kratos. Mais par contre, j'ai plus besoin de ça. Donc ça, je peux très bien le mettre sur le rond. Et comme ça restera tout vert. Regarde. Hop. Voilà. Et logiquement, maintenant, je peux passer. Et voilà, ça ne reviendra plus au normal. Ah, bah super. Voilà. Ah, la personne qui était venue nous a quitté, hélas. Voilà, je peux continuer mon petit bonhomme de chemin. En toute quiétude. Très bien. Oh, j'ai activé le cinématique. Magnifique. Grâce au petit caillou vert. Un rubis. Eh ben voilà. Donc j'ai bien trouvé le sortie du labyrinthe. Merci Hera. Merci madame. On peut continuer. Ah, ça je sais comment faire. Et voilà le travail. On va récupérer le truc. Il serait temps que je trouve ce putain de troisième œil de Gorgone à la con. Ah, enfin. Déjà que j'ai dû en louper plein. Parce que j'y cherchais pas, évidemment, j'y cherchais pas. Je m'en foutais un peu tout ça. J'aurais jamais un maximum là déjà. C'est foutu pour moi. Très bien. Un labyrinthe qui ouvre vers un autre labyrinthe. Merveilleux. Deux scorpions. Ça annonce le prochain boss, qui sera un scorpion. Fatalement. Si vous voyez des petits scorpions comme ça, enfin des petits entre guillemets, c'est qu'il y en a un gros plus tard. Il
Une plume ou une corne? Une plume, évidemment, une plume. Bon bah si la personne commente pas, on va passer en mode plein écran. Parce que bon, ça sert à rien de rester comme ça si on n'a pas de commentaires. Voilà, on passe en plein écran. Ce sera un peu plus lisible. On se demande qui activait ces mécanismes hein, quand c'était pas un dieu de la guerre. Ils avaient assez de force les mecs pour le faire ça? Il est plus gros celui-là. Ah, il devient un peu plus gros. Intéressant. Ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Les cavernes. Ok. Eh ben, ça doit être ça. Voilà, il y a la cage, il y a la dame. Ok. Tout un mécanisme à trouver. Et des dalles. Le cadeau d'Hadès, le feu liquide, c'est ce qui vient en premier. Ensuite, il y a le cadeau de Boreas, la tempête de glace. Cela me donnera le pouvoir de ramener mon fils à mes côtés. Ton fils est mort. Donc ça, c'est des gorgones. Normalement, je devrais pouvoir leur arracher les yeux pour les buter. Ah non, ça ne marche pas un œil pour moi. Aïe. Ok. Très bien. Vous voulez la jouer comme ça, on va la jouer comme ça. Ah zut. Aïe. Attention, vous allez vous faire mal. Hein. Très bien. Donne-moi ça, toi. Ça te servira plus. C'est tout. C'était facile. Bientôt, mon petit sera avec moi. Je l'ai construit, mes calculs sont terminés, ils sont justes. Voilà, quand n'importe quoi à lui. Blablabla, on s'en fout. Par contre, il y a des particules ici, alors peut-être que...
Ouais, il y a un truc là. Effectivement. On va sauvegarder parce que ça sent le gros scorpion plus tard. Les scorpions, c'est l'avant-dernier grand boss du jeu, donc forcément. C'est bien rangé en tout cas. Ça fait plaisir. Ah putain. Encore mécanisme à la con. Ok, ok. Très bien. On va faire comme ça, oui. Bla 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 bla. Ouais, il faut aller en bas visiblement. Eh, ça fait monter l'eau. C'est un bouchon. J'espère que je vais pas pousser le bouchon trop loin. Ok, très bien. Donc, ça on peut pas. Mais on peut aller là-bas. On peut monter. Logique. Toujours des vases un peu partout. Ça doit être une espèce d'ascenseur. Bonjour monsieur. Ok. Ouais, ouais, j'ai vu. D'accord. Je sais, faut monter et ouvrir ça. D'accord. Bah, laisse-moi passer et j'y arriverai. Là, il y a un truc. Non. Ok. Ah ouais, c'est comme ça. Les mini-méduses. Ah zut. Comment j'ai fait ça? Allez. Ah zut, je me suis gouré. Ah bordel de putain. Voilà. Bien sûr, d'autres scorpions. Ils sont pas très forts ceux-là, donc ça va. C'est pas ça qui va poser problème. Pour l'instant. Bon, ils seront plus gros peut-être. De la vie, la magie. J'ai besoin de ni l'un ni l'autre. Les sous, ça je les prends toujours, évidemment. Là. Non, ça fait rien du tout. Ah, intéressant. Petit scorpion. Bah ça va, c'est juste des petits scorpions. C'est pas ça qui va me faire peur. Oh, là c'est un gros. Eh ben voilà le boss. Ah, il est gros en plus, hein. Ah,
Regarde ce que je fais. Il faut les gants. Ce putain de gants. Voilà. Voilà. Et ben je vais me les faire patte par patte. Et puis ça passera comme ça, puis voilà, puis c'est tout. Aïe. Voilà. Une autre. Voilà. Donc si je monte dessus là, je peux lui casser la gueule. Mais casse-lui la gueule, Kratos, enfin. Voilà, je t'ai enlevé une d'or. Intéressant. Le combat reprend, le combat reprend. Non ? C'est tout pour cette fois ? Vraiment ? Ah ! Ah ! Bordel ! Ok, bon, il faut que j'aille de l'autre côté alors. Oui, bah j'ai compris, oui. Voilà, on va y arriver. Allez. Aïe aïe. Il s'est caché. Enfoiré. Ça veut dire qu'il va y avoir encore une attaque de pute. Voilà. Hein ? Hein ? Voilà, ça te met KO. Pourquoi pas? Alors, il vole quand il veut, un Kratos, hein, c'est... Hop là. Hop. Ah zut! Non mais arrête de tomber. Allez. On s'y reprend. C'est rien, c'est rien. C'est rien. Hein ? Ah mais bordel ! J'ai pas eu le temps. Allez, t'as qu'à te planter toi-même. Ah bah voilà. C'est avec ça que tu crèves pas. Et voilà. Eh ben je peux pouvoir me servir de ça. Ah non. Peut-être un des gros cailloux. Ça fait fondre de l'eau. Et... Ah voilà. C'est ça qu'il me fallait. Juste une petite pointe de merde. Super. Tu as trouvé la tempête. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. C'est la clé pour débloquer le labyrinthe. Sans déconner. Il fallait juste tuer un scorpion géant, c'est tout. Tout simplement. C'est logique, hein, maintenant que vous le dites. Pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi? Stupide moi-même. Et voilà, dès que je vois un truc rouge à la con, va falloir que je l'allume. Voilà.
La fin du jeu est pas si loin que ça. Hein. Encore peut-être 2 heures, 2, 3 heures et c'est fini. Alors, voyons voir. Est-ce que je passe par là? Non, pas par ça? Non, c'était pas ça. C'est sûr que c'était pas ça. Bon, on reprend. Donc par là, oui, tout à fait. Ouais, je crois que je commence à comprendre. Ceci, une petite méduse à tuer en cours de route. Ah bah plein en fait. Vous voulez pas négocier? Bah, pas négocier alors. Eh ben, c'est reparti. Ils font comment les mecs qui ont pas de chaîne comme moi pour passer? Expliquez-moi. J'aime bien qu'on m'indique la route. Toujours plus simple comme ça. Donc, on retombe à cet endroit-là con. Mais cette fois, j'ai la corne à la machin. Donc je peux allumer le truc. Oui voilà, comme ça je peux passer là. Et ben, c'est la suite du labyrinthe. D'accord. Alors comme ça. Voilà. Passer là. Encore un couloir vide. Une nouvelle page de journal. De se demander une autre cellule pour enfermer un nouveau prisonnier. Après être passé devant les juges d'Alès, je ne peux qu'avoir des remords pour la pauvre âme qui sera torturée ici. J'espère qu'ils seront libérés avant la chaîne du pouvoir. Quoi que ça puisse vouloir dire. On va recharger un peu la mule parce que sinon on va avoir du mal. Dédale. Ah bah tout le monde se lève pour des dalles. Mon fils, mon d'ailleurs j'ai un peu faim moi. Ça commence par une dalle. Bien, bien. Tu as la tempête de glace. Le scorpion doit être anéanti. Cette tout à tempête, fait. C'est la clé pour venir à bout du labyrinthe. Pour ouais, échapper, ça j'avais compris. Nous devons tout assembler. Bien, bien, tu as déjà commencé. Je vois les cubes qui changent de place. Maintenant, une fois à l'intérieur, tu dois utiliser le cadeau de Boreas. C'est le catalyseur qui contrôle le labyrinthe. C'est quoi le cadeau de Boreas? Mais
Qu'as-tu donc fait à mon enfant, mon petit? Où est mon petit? Ton fils est mort, Dédale. Oui, dans le 2. Mon fils, mon enfant. Non, non, non! J'ai pris le cadeau de Hadès, le feu liquide, et la tempête de glace pour créer le pouvoir du labyrinthe. Créer le pouvoir! Créer le pouvoir! Le pouvoir de créer, le pouvoir de détruire. Très bien. Le roi des dieux m'a pardonné. Si je construisais le labyrinthe, il a promis que je verrais le retour de mon fils. Il a dit que si je prenais le feu liquide... Oh, mon garçon. Oh, mon enfant. Ouais, tu t'es fait baiser par le pouvoir. C'est la preuve qu'il ne faut jamais écouter les présidents. Et que les promesses des politiques n'engagent que ceux qui les écoutent. Je peux pas le buter de là? Non, pas tant pis. Bon bah je continue ma route alors. Putain. Je me suis viandé, je sais pas comment, mais je me suis viandé. Ah pff. Peut-être recommencer. Ah bah, j'aurais pu là, franchement. C'est abusé. Je l'appuyais pourtant, je suis au bon endroit et il me disait rien. C'est quoi cette phase de plateforme à la con? Hop! Ah oui, mais j'ai lâché trop vite! Allez, cette fois on refait pas 30 fois la même erreur. Voilà. A ton avis, fils de pute. On va allumer ça. Et logiquement. Par pitié, ne fais pas ça, Spartiate. Donc on va le faire quand même. J'ai horreur qu'on me donne des ordres et je fais toujours le contraire de ce qu'on me dit de faire, vous savez. Quoi, il est à l'intérieur, c'est ça? Ça change quoi pour lui? Mais quoi, non, ça l'écrase? Il se passe quoi, là? Oh, putain. Ok, ça, c'est un labyrinthe. Là, d'accord. Il y a un trou. Ah, j'adore le film Cube. Vous savez, Cube avec Dustin Hoffman, Sharon Stone... Ça met les Jackson, les Schreiber. On va se regarder pour le labyrinthe. Tout le monde se lève pour Danette. Bien sûr, bien sûr. Toujours une personne qui regarde. Pas de commentaire. Bah, on continue. Oh. Ok, alors qui se bute? Allez, on ferme tout ça. Ok. Eh ben, lâche comme ça alors. Thank you.
Ah mais ça va pas la tête. Ah zut, je l'ai tué. Vite. Voilà. Non mais faut savoir se faire respecter à un moment. Ok, il faut encore changer le côté de la pièce. Oui d'accord, oui. Alors faut changer de ce côté là. Alors, d'accord. Il doit y avoir une manivelle, quelque chose. Parfait. Là, c'est du bon côté. Ah. Intéressant. Oh putain! Ouais, j'ai vu. J'ai compris. C'est juste quoi. Tout ça pour une pub de Phoenix à la con. Alors. Comment je fais pour monter, bordel de merde? Ah d'accord, j'ai pigé. Donc, j'attends que lui, il s'énerve. D'ailleurs, pourquoi j'attends là? Beaucoup mieux d'attendre là. Allez, on s'active. Ah ouais, en plus. Il est taquin. Voilà. Parfait. Il n'y a qu'à demander. Oh, ça va. C'était juste ton genou. Prends le fric au passage. On va monter les armes parce que là ça fait un moment que je l'ai pas fait. Alors qu'est-ce que j'ai pas encore monté? Ouais, ça déjà. On va les faire dans l'ordre. Allez. De toute façon, j'ai plus grand chose à monter donc quand je serai au maximum de tout, c'est que ce sera la fin du jeu. Voilà, comme ça maintenant je peux me servir de à peu près n'importe quelle arme. Et... je peux en mettre plein la gueule. Bon bah y a plus que celui-là. Encore 5000, ouais. Il manque plus grand chose. D'accord. Intéressant. Attends un peu. Ok, ça sert à rien. Ça sert à quelque chose, mais à quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Faut mettre un endroit, mais où? On va dire là.
disons-la. C'était pas là qu'il fallait le mettre. Oui, parce que là, j'ai besoin qu'il revienne, le coquin. Je peux pas monter là. C'est pas ça. Bah vas-y, Yara. Je l'ai mis pile au mauvais endroit. C'est là. Voilà. Ensuite, il passe comme ça. On le met là. Allez, Yara. Et maintenant, il est au-dessus. Donc, maintenant qu'il est au-dessus, je peux le mettre ici pour bloquer le mécanisme. Et ça ouvre ça. C'était simple comme bonjour. Simplissime. Pour l'instant, ça ne me fait pas trop de nœud au cerveau. Hein. Par contre, là, il y a plein de pics. Donc, ok, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ok, bon. Tant que c'est dégâts. Ah. Commence à comprendre. Non, laisse-moi voler. Ah, ça tue un coup. J'étais presque, j'étais presque. J'ai mal amorcé le saut et du coup... Non, 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 non. Oh putain. Fallait attendre un tout petit peu. On recommence. Bloqué par un coup de merde. La putain de fantassin. Vous le croyez ça? C'est bon. Yes. Et c'est reparti.
putain! Deux endroits, fils de pute! Et je recommence du début, bordel de merde! Mais laisse-moi reculer, connard! C'est bon là? On se calme? Mais saute, connard Kratos, bordel de merde! Voilà, c'est bon. Donc cette fois, deux coups. Ici. Ah putain, non! Non mais va te faire foutre! Va te faire foutre, putain! Ouais, t'attendais quoi, connard? 3. C'est bon. Attends le dernier moment. Allez, tous de ce côté maintenant. Voilà. Maintenant où? Là. Ah putain! Non! Plein de cul, plein de cul, plein de cul, plein de cul, plein de méthodique. Méthodique. Non. Bordel de merde!
Le cycle recommence jusqu'à ce que les butent tous. Non, c'est bon. Merde, trop tôt. Non, c'est bon. Faut arrêter de me faire chier, connasse. Il en reste une. Mais venez, venez. Viens, viens là, viens. T'es toute seule, tu peux plus rien me faire. J'avais dit que j'y arriverais. Putain! Oh. Bah alors? Je ne fais rien depuis tout à l'heure, il n'y a plus rien qui se passe. Putain de merde! Super. Clé de merde. Pandore. Pandore, tu dors? Qu'a-t-il donc fait? Bah, Pandore, réveille-toi. Il m'a dit de ne plus jamais te parler. Sinon, qu'il s'en prendra à toi comme il s'en est pris à mon père. Impossible. Mais non, t'inquiète pas. Il m'a dit qu'il te tuerait. Il ne peut pas. Qu'il essaye pour voir. C'est le problème, je peux pas mourir. Nous devons partir d'ici. Viens, je peux te montrer le chemin. Eh ben, montre-moi le chemin. De toute façon, j'ai que ça à foutre. Peut-être par là, le chemin. Kratos, aide-moi! Non? Par là-bas, Kratos! Ça me rappelle Ico. Ça va être très fastidieux hein, si c'est comme Ico. Kratos! Oui, bah je sais, j'ai vu. Eh ben j'ai vu. Elle est bien gentille de me dire attention, mais bon, ça sert pas grand chose. Laisse-moi deviner, attention, c'est ça? Bah quoi? C'est bon? Attention? J'y crois pas. Attends. Vas-y, passe ça dedans. Tu te mets là-dessus. Voilà, t'as tout obligé. D'habitude, je fais ça avec un cadavre, mais là, aujourd'hui, exceptionnellement. Oh oh. Ah bah ça va être un jambon la fille. Aide-moi. Bah c'est ce que je peux là mais... Vite. Bah vas-y. C'était juste hein. La nana ça a failli devenir un shish kebab. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Regardez, je soulève une meuf. C'est bon, ça arrive à passer. Par contre, moi, je suis trop gros pour ça. Peut-être par là. Oui, c'est bon. Bah, ouvre la cage alors. Je sais pas ce que tu fous, meuf, mais ça a l'air très intéressant. Ah, elle crie maintenant. Peut-être pas intéressant. Comment elle a fait pour monter aussi vite? Mais comment tu te débrouilles pour finir toujours enfermé, bordel de merde? Elle est con ou quoi? Bon, qui je bute? Voyons voir. Peut-être ça. Pourquoi vite? Bah je fais ce que je peux, bordel de merde. Elle chie, elle. Ah elle va finir noyée, ok. Ouais bah oui bah oui bah je fais ce que je peux. Hein. Bah je veux bien moi mais. Ah bordel de... Ouais bah peut-être pas pour cette fois hein. Ça fait rien du tout. Ah là ça s'ouvre. Bon bah tu seras mort d'ici là mais... Dis-toi que ton sacrifice ne sera pas vain. Quoique... Non, 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 non. Et maintenant? Ouf. Non, c'est un échec. Ça a attendu trop longtemps. Bon, on recommence. Un peu compliqué, hein. Il y a un vrai timing. Oui. Mais cette fois, je vais pas perdre du temps comme la dernière fois, donc je devrais aller plus vite. Ah, comme ça. Pour l'instant, ça va. La boîte n'est pas encore remplie. Pour l'instant ça va. Pour l'instant je suis mort. Là je suis allé trop vite par contre. Allez, la troisième c'est la bonne. C'est comme les prises. Bon, la troisième prise c'est souvent la bonne. En fait non, c'est souvent la première, c'est que le garde. J'avais pas assez de péloche, vous le doutez bien. Alors, c'est reparti. Voilà, ça, ça va. Voilà, par ici. Bah, à ton avis, qu'est-ce que je fais, connasse? Ensuite, par là. Bah, j'essaye. Ok, donc là, voilà, comme ça. Ensuite. Donc là, on va pas faire l'erreur de l'autre fois. Monte, 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 monte! Putain! Je me suis bloqué tout seul, bordel de merde!
Quelle connerie! Putain! Pixel de merde! Oui bah écoute, tu vas attendre un peu parce que le jeu triche. Donc quand on est en train de nous casser les couilles, peut-être que j'arriverai à le finir. On peut pas faire plus vite. Pour l'instant tu peux retenir ta respiration. Là, elle est sous l'eau. Allez, cette fois on y croit. Allez, monte. Monte, 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 fils de pute, monte. Bordel de putain de merde. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. J'en ai plein les couilles et plein le cul. J'en ai marre. Jeu de merde. Jeu de merde. Va te faire foutre. Va te faire foutre les développeurs. Va te faire foutre le réalisateur du jeu. Va te faire foutre le designer de cette séquence de merde. Va te faire foutre le connard qui laisse pas un pixel d'espace pour pouvoir monter. Va te faire enculer. Allez, tous vous faire enculer. Putain, 5 fois de suite au même bout de merde là. Si au moins il nous faisait redémarrer jusqu'à la fin. Mais putain, mais non, mais bien sûr que non. Voilà, là j'ai fait ton petit pas de côté de merde, connard. Faut arrêter de me casser les couilles, bordel de merde. Et ça sert à quoi ça? Est-ce qu'elle est quand même morte? Tout ça pour ça? Tout ça pour rien? Je suis prête. Par ici. Eh ben putain ma vie c'était chiant. Hein. Pète couille. Hein. On va sauvegarder. Quelle heure il est? Ouais, ça fait un moment que je suis dessus là. Ça fait un long moment que je suis dessus. Donc on va activer la prochaine cinématique et puis on va arrêter là. De toute façon là je pense que c'est la fin du labyrinthe. Presque. Donc, quand je sors du labyrinthe j'arrête. Notre voyage est loin d'être terminé, Pandore. D'ici là, tu ne me remercieras plus. J'en ai peut-être l'air, mais je ne suis plus une enfant. J'ai vu de nombreuses choses terribles. Ah bah tu m'as vu jouer déjà, ça c'est déjà terrible. Hein. Je sais très bien ce qui m'a fait. Ce dans des cauchemars et n'importe quel joueur. Torturer mon père. Mais il a torturé tout le monde. À cause de moi. J'aurais dû l'aider, mais j'avais peur. Héphaïstos a agi comme tous les pères le devraient. En protégeant son enfant. Et en laissant un autre homme baiser sa femme. C'est ma faute. Je l'ai abandonné parce que j'avais peur. La peur est semblable aux ténèbres. Dans ces ténèbres, j'ai entendu ce que les dieux disaient de moi. Ils me traitaient de monstre. Les mots ne sont que du vent. Peut-être. Mais j'ai senti de la peur dans leurs propos. La peur d'un guerrier couvert de cendres. La peur de toi. Tandis que la peur des dieux grandissait, la mienne était remplacée par l'espoir. C'est bien, c'est bien. L'espoir est pour les faibles, Pandore. C'est l'espoir qui nous rend forts. C'est grâce à lui que nous sommes ici. Oh, un commentaire. Que nous combattons quand tout le reste est... On va afficher ça, voyons voir.
paramètres avancés. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Bon, j'ai attendu pour faire la blague au bon moment. Il méprise les dieux Kratos, mais en même temps, il maîtrise Aphrodite, le coquin. Oh, oh, oh. C'est savoureux. Voilà où mène l'espoir, fillette. Mais Aphrodite, c'est passé. Hein. Retiens bien cette leçon. Aphrodite, on va la retourner. Donc Dédale est mort, mais je sais pas comment. En tirant sur les chaînes, peut-être. Ah ouais, ça doit être ça. Peut-être pour ça qu'il criait, monsieur. Oh oh. Évidemment, évidemment. Heureusement que Pandore est immortel dans cette phase de jeu. Justement. Ah, peut-être pas qu'elle est immortelle, je sais pas. On dirait qu'ils essaient de l'attaquer quand même. Hein. C'est pas bientôt fini. Les enfantillages. Allez, c'est reparti. Ça s'arrête jamais ou quoi? On va me tirer une dernière phase du jeu. Hein. On s'approche de la fin là. Pas longtemps devrait y avoir Zeus. Putain, mais ils sont obsédés, ils arrêtent pas de s'attaquer à une gamine là, on dirait des youtubeurs. Et c'est reparti. Oh là là. Il y en a combien? Ça devient lâchant, hein. Vous pouvez pas me buter, bordel de merde, vous voyez pas que ça sert à rien. Allez. Eh ben c'est reparti. Bien sûr que ça s'arrête pas, bien sûr. Comme Giscard, voilà. Vader est immortel, mais Giscard aussi. Vulcania, Vulcania, Vulcania. Ah putain, il y a le vieux cliché même maintenant. Jure-le que je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que dit commentaire? Le monsieur te demande si tu es immortel comme moi.
Si je vous enfonçais à Jean-Luc. Cessez vos enfantillages, c'est Giscard. Je vous demande de vous arrêter. Ça c'est Balladur. Faut pas confondre Vulcania. C'est moi qui ai la princesse. Et Balladur qui faisait... Je vous demande de vous arrêter. Édouard. Jacques. Tu vas manquer, Édouard. Oui, de peu. Bon, il s'est passé sur le genre de Godard Gaming et là, ça devient du RPR Gaming. On va faire quoi, Philippe Séguin, après? Plus personne ne connaît ces hommes politiques. Hein. Après, ça va devenir Raymond Barre. Messieurs les députés, vous prétendiez que le président a une réserve de diamants en Afrique. Eh bien, sachez que quant à moi, je ne vous cache pas que j'ai une réserve pour vous de mépris. Ah, houhouhouhouhou. Ah, là-bas, il y a un point de sauvegarde. C'est intéressant, parce que j'en ai plein le cul. Je vais m'arrêter dans pas longtemps. Je vais finir le labyrinthe quand même, d'abord. Je finis le labyrinthe, et après, je me casse. Et on finira demain. C'est ici que je t'habite ? La chaîne, Kratos. Mon père m'a dit une fois que c'est ce qui maintient l'équilibre des pouvoirs dans l'Olympe. Ah bon? Je crois que c'était Zeus. On m'a dit Zeus c'est le soleil, Zeus c'est l'Olympe, Zeus c'est tout. Chaîne pour élever le labyrinthe. Ou alors je pourrais briser ton cou et puis comme ça... Ah bon? Pourquoi attends-moi ici? Okay. Alors toi tu voles quand tu veux hein. Ça vous rappelle pas le retour du Jedi? Voilà. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Là, voilà, par là, comme ça. Là, il y a un petit trou, là, c'est pour moi, ça. Mais c'est Rogue Squadron! C'est Rogue Squadron! Vous vous demandez comment j'ai fait pour survivre à une chute de 3 km accrochée au cul d'un balrog? Eh bien comme ceci. Jean-Luc Godard aurait fait un excellent Gandalf. Oh Gandalf, on était en train d'amuser de l'humidifier des artifices. Ah, connard de Hobbit. Moi je vous parle de détruire l'anneau au Mordor, et vous me parlez troisième petit déjeuner, vous êtes les cons les Hobbits. Ça devient n'importe quoi. Ça va beaucoup trop vite. Par là. Là, d'accord. Là, ok. Bah non, ça passe plus. Aïe. Oui, mais non, mais là, c'est bien chaud quand même. C'est encore loin. C'est la chute la plus longue du monde. Hein. Ouais, je savais bien que je retournerais au tartare tôt ou tard, mais quand même. C'est bon, là, plus rien. Là, je le sens bien, ça roule bien. Il n'y a plus personne sur le périph, ça roule, je trace. Les aigles, putain, utiliser les aigles. Oh, bordel de merde.
t'es pas déjà buté au début du jeu, toi? Allez, une tête en moins, plus que deux. Ah, elle est plus qu'une tête. Ah, bordel! Voilà. Et va le trap. Ok. Aïe aïe aïe. Ah. Et ben voilà. Donc maintenant je suis au début du jeu. Et si j'ouvre les machins, maintenant que j'ai les gros gogans, ça peut péter les chaînes. Alors. Zut. Remonte. On va faire ça petit à petit. Non, c'est pas comme ça. Il me faut un truc. Il me faut carrément un truc. Super. Ça arrive trop tard dans le jeu. Il me faut de la vie peut-être. Un peu de tout. Il me faut un poids. Il me faut un truc pour le foutre dessus. Le roi Minos et Akira Lamante. Juge le cœur de chaque âme pénétrant les enfers. Ah oui, comme le CNC en fait. Super. Trophée obtenu, plumer le phénix. Bah oui, là j'ai la magie au maximum alors que je m'en sers jamais. Aha! Ce truc là. Voilà. Là, il y a encore un secret, il y en a de partout. Hein. Très bien, encore une corne. Oh, vous êtes ridicules, les mecs, sérieux. J'ai pas que ça à foutre. Ah bordel. Peut-être par là. Peut-être par ici. Ah très bien. Eh ben je vais pouvoir en péter une au moins. Oh non, il faut quand même péter la gueule de l'autre. Logique. Par où je passe? Non, sur la gueule du mec, non, c'est pas ça. Par là, non.
Il me monte par là. Ça peut pas être ça. Je dois me tromper de chemin. Ils ont attendu pour me taper quand même. C'est fair play de leur part. Donne-moi ça, toi. Ça va aller au bout d'un moment. Aha. Aha. Putain, on va y arriver, maman. Bon, déjà, je peux en péter une, mais peut-être que ça m'aidera. Ouais, il y a encore lui qui pose problème, effectivement. Mais peut-être que cette fois... va te faire foutre. Ok. Bon, alors... comment je fais pour monter avec lui? Je dois louper un truc. J'ai forcément loupé un truc. C'est obligé. Voyons voir. Ah ah! C'est juste qu'il fallait commencer par ça, tout simplement. Eh ben voilà. Là ils sont enlevés en permanence et je peux leur péter la gueule. Voilà, c'est bon. Oui, oui, j'ai compris. Oula. J'ai pas l'air content. On va vite se cacher. J'espère qu'ils peuvent pas passer par portail. Ça a l'air d'aller. Et voilà. La chaîne qui tient l'Olympe au monde. Donc normalement l'Olympe là va s'envoler vers la Lune. En plus ça casse toutes les statues qui ont dû mettre super longtemps à se construire. Ah, le casque avait été fabriqué séparément quand même. Ah, qu'est-ce qu'elle dit la flamme? Encore un hologramme? Ah oui, ben, une fois qu'on a libéré Pandore de la boîte, on peut pas la remettre, hein, tu sais. Ah, ça c'est ma phase de jeu préférée. Enfin, après Aphrodite, hein. J'arrive, j'arrive. Garde tes culottes, c'est moi qui pilote. Pour l'instant, ça passe. C'est chaud mais ça passe, c'est chaud mais ça passe. Ouah putain. Là ça va. Ok. Ok. Là on est bon. Pourquoi tu voles pas en permanence, Kratos, franchement? T'aurais pu aller jusqu'à la fin du jeu comme ça. Pandore. Dès le début. Ah, t'es là. Tu te fais chier avec des labyrinthes alors que tu peux voler. Tout ira bien, Kratos. Ne perds pas de vue ton but, Spartiate. Elle parle entre femmes. Prépare-toi, Spartiate. Tu sais ce que tu dois faire. La pulsée, hein, c'est ça, on est bien d'accord.
je la ramènerai d'où elle vient. Mais plus rien n'existe, tu as détruit le monde, Kratos. Peut-être que tu devrais prendre la fille d'abord. Non, on allait d'abord le labyrinthe, d'accord, si tu veux. Ah, impression déjà vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Je sais même plus. Je vais sauvegarder déjà. On est à 1h53 de jeu. Ah, il y a peut-être Zeus là, à buter. C'est peut-être maintenant Zeus. S'il est là, Zeus, je m'arrête là, je pense. Et je finirai demain. Je crois que c'est là. J'ai un vague souvenir de ce décor-là pour buter Zeus sur la fin. Parce qu'il y a plusieurs duels pour tuer Zeus et le... Encore un point de sauvegarde, décidément. C'est long. Eh ben la voilà la bobette. Et ça marche. Il est très fort, il est très très fort. Oui, c'est un peu comme le premier, oui, quand il fallait ouvrir la boîte une fois sur le dos de Kronos. Kronos que j'ai tué l'autre fois d'ailleurs. Ça ressemble un peu effectivement. Moi je préfère le scénario du 2 de toute façon. Le plus logique. Alors on est presque. Voilà, ça cache tout évidemment. Ça cache tout sauf le rond central, hein, sinon l'histoire tient pas évidemment. Allez, on va voir la bobette maintenant. La voilà, je la vois, Kratos. Tu sais que tu pourrais manger un steak une fois de temps en temps quand même, parce que là tu fais un peu peur à voir. Au moins des frites. Tu sais pourquoi je suis ici? Tu m'as amené ici pour que je le fasse. Je trouverai un autre moyen. Le feu, ça brûle. Et au chamouille. Oh, elle s'est cognée contre la bite de Zeus. Ça va lui faire une grosse marque au front, ça.
cette chose devient quelque peu gênante, mon fils. Alors déjà, c'est pas une chose, c'est une femme. Ne confonds pas cette créature fabriquée par Hephaïstos. Oh, il parle vraiment comme un youtubeur, lui. Mais c'est peut-être déjà le cas, Spartiate. La quête que tu mènes, ton obstination pathétique à tenter d'expier le meurtre de ta famille, n'a provoqué que le chaos sur l'Olympe. Regarde autour de toi ce que tu as créé. Ah, moi je trouve que la déco elle est vachement mieux comme ça. Ça fait feng shui, je trouve. Très Valérie de la Midwest-esque. Que ce que je suis venu détruire. Ma plus grande erreur a été d'avoir pitié de toi, Kratos. Tout comme la pitié. Ouais, c'est ça, allez, viens. On se met sur la gueule. Sera ta plus grande erreur. C'est toi la plus grande erreur. Elle a au contraire tout à voir avec ça. Oh là là, il est très en colère. Mais quel enculé, ce Zeus. Bon, je vais péter la gueule tout de suite ou je vais pas la péter la gueule maintenant? Non, ça c'est pas le même. C'est pas non plus le même Zeus que dans Choc des Titans. C'est pas Liam Neeson. C'est ni Liam Neeson, ni Samuel L. Jackson. Il a dit hey Zeus, il a pas dit hey Jésus. Puissance de l'Olympe, les couilles, hein. Ouf. De mémoire, le combat il est un peu moins épique que dans le 2 quand même. Que c'est quand même Zeus encore une fois, hein. Merci pour la vie. Ton cul sera épargné, fils de pute. Eh ben écrase-moi, connard, vas-y, hein, je t'attends. Kratos, il demande que la mort depuis le début, hein, depuis le 1. Depuis même le préquel du 1, depuis l'ascension. Putain, mais t'as combien de litres de sang, fils de pute? Ok, si c'est ça... Péter la gueule, puis c'est tout, voilà. Tu vas la fermer, ta putain de gueule. Salope. Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, une colonne pour seul poids faible. Qui aurait cru qu'un jour, qu'un peu de marbre me tomberait dessus? Oui, car dans ma tête, Zeus a la voix de Kermit la grenouille. Peggy, aide-moi. Ah bah, Pandore, il verra pas le calme, hein. Là, je te confirme. Moi, je pensais crever, là. Hein. Je pensais pas le battre en first try. Hein. Mais bon, Jean-Luc Godard, super player. Hein. Ne la laisse pas pénétrer dans la flamme. Pénétrer. Mais oui, lâche-la. Pour une fois dans ta vie pathétique, ne sois pas lâche. Il faut faire le contraire de ce que dit Zeus. Tu as abandonné ta famille. Il l'a lâché juste pour lui en foutre une en plus. C'était plus important que la vie de Pandore. Si je peux lui en foutre une en plus dans la gueule, ça vaut le coup. T'inquiète pas, tu reverras son fantôme. Je vois à ta mort. C'est triste, mais c'est beau. Alors je te préviens, dans la boîte, il n'y a pas les quatre éléments. Hein.
Gary Oldman, il a essayé, il était très déçu. Il était extrêmement désappointé. Ah bah oui, non mais là il y en a partout. Hein. Ashes to ashes, comme disait David Bowie. Dust to dust. Poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Oh, il est encore plus en colère qu'au début du jeu. Je pensais pas que c'était possible. Oula, oula, oula. Bon bah là c'est la dernière phase du jeu, hein. Ça va chier. Oui, la boîte est vide, c'est bien ce qui me semblait. C'était peut-être juste un symbole ou une métaphore. Alors, j'aimerais bien sauvegarder quand même. Je sais pas où je vais. Non, pas là. Pas là non plus. Peut-être par là. Un point de sauvegarde, merveilleux. Ben, on va arrêter là. Elle était pleine dans le premier. Ah oui, c'est vrai, oui. Bah, il aurait dû s'en souvenir là, Kratos quand même, il est un peu con, non? Ah, ça rappelle la fin du 2, ça. Très bien, et eh ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir suivi encore une fois, merci Cannabis. Et on se retrouve demain pour la fin de God of War 3. Et pour péter la gueule une bonne fois pour toutes à Zeus. Et on finit avec le monde, même si le monde ne finit pas, puisque il est encore là dans God of War 4. Parce que rien n'a de sens en ce bas monde. Voilà pourquoi. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. A plus les vacins. Bonne soirée.